Pour comprendre la signification et le pourquoi du nom Lufua Sekikwabo, nous devons contextualiser la naissance de Guy-Émile Lufua Sekikwabo, c'est-à-dire nous devons nous placer dans le contexte familial de sa naissance pour comprendre ce qui a motivé ses parents ou ce qui a poussé ses parents à lui donner le nom de Lufua Sekikwabo. Nzambiwa Bonga. Tout d'abord, le nom Lufua Sekikwabo est un nom qui est en langue Lari, une des langues Congo. Et dans cette langue, le mot Lufua signifie littéralement la mort. Et Sekikwabo peut se traduire par fais une pause. Il faut savoir que papa Guy-Émile Lufua Sekikwabo est né à une époque où la mortalité faisait rage dans sa famille. Car tous les enfants mâles de la famille, tous les enfants garçons de la famille mouraient systématiquement. Donc le nom Lufua Sekikwabo lui avait été donné par ses parents comme pour demander à la mort d'arrêter le massacre. Ou encore, comme pour demander à la mort de faire une pause. Et pour dire à la mort d'arrêter le massacre, pour dire à la mort d'arrêter de prendre les enfants mâles de la famille, ou encore pour dire à la mort de faire une pause, dans les langues Congo, notamment en Lari, on dit Lufua Sekikwabo. Donc, une traduction appropriée et conforme du nom Lufua Sekikwabo serait par exemple la mort arrête. Ou encore la mort arrête le massacre. La mort fait une pause. Ou encore la mort attend d'abord. Et enfin, la mort patiente. Toutes ces traductions, toujours avec l'idée que comme personne n'est éternel sur Terre, puisque personne ne peut rester éternellement sur cette Terre, un jour ou l'autre, la mort viendra. Et en donnant à leur enfant le nom Lufua Sekikwabo, ses parents ont voulu demander à la mort de faire une pause, d'attendre un peu, d'attendre que la personne grandisse, que la personne vive, que la personne accomplisse des choses dans sa vie, vieillisse, etc. Et ensuite, elle, la mort, pourra venir. Voilà donc le pourquoi et la signification du nom Lufua Sekikwabo. Et nous expliquerons beaucoup plus tard le pourquoi des prénoms Guy et Émile. Nzambiwa Bonga. C'est-à-dire qu'il faut avoir dans le tête qu'on a compris ça mal ouvert. Et il n'a pas mis de joie que donc il y a Mounou. Mounou montre qu'il n'a pas besoin de l'anglais et Boubiaï. Il n'a rien de même Boutouka. Papa pèse à Mounou comme il y a le foie c'est de quoi vous dire. Ah, nous me perdre, Baba, n'a mingi. N'a qui Toki to, nange mingi.
Tata Lufwa Miso Bele.